Ok, je crois qu'on a eu une petite panne technique. On va seulement essayer de continuer depuis là où on était. Je vous prie de vouloir partager dans vos petits groupes ou différents groupes. Quelle que soit la durée, on va finir ce travail aujourd'hui et puis on n'en parle plus, quoi. Là, on a pu décomposer la vidéo et j'ai soustrait un peu quelques images qui ne nous servaient à rien parce qu'il faut que ce soit un peu plus fluide. Là, j'ai gardé la tête de cette dame. Donc, vous allez voir là, ça commence à dire 2, 3, 4 et puis ça part à 8. Et puis, j'ai soustrait les trucs et puis ça continue à 1001. Mais là, on va justement se rassurer que c'est la même photo, tout va bien. Là, je vais juste feuilleter. Vous voyez le nombre est grandissant ici. C'est ici que vous allez savoir que je suis en train de changer de photo. Là, j'avance, là, je rentre après, avant. Donc, toutes ces images sont authentiques. Ça vient du droit de la CRTV. Bon, là, l'ambassadeur entre. Jusque-là, pas très intéressant. On va seulement savoir qu'on est en train de regarder une vidéo originale. Ouais, servi par la CATV, ça c'est, je ne connais pas qui est ce type, à vous de le connaître, de le remarquer. Et puis jusque là, on remarque juste un changement de décor, c'est-à-dire, regardez l'ambiance des couleurs. C'est un des éléments qui m'a frappé, là c'est clair, les caméras sont claires, ça a l'air d'un fond naturel, des couleurs naturelles. Et là c'est beaucoup plus chargé d'énergie, beaucoup de rouge, donc, bon. Pas très, c'est important, mais c'est pas le comble, quoi, parce que c'est la scène d'après et voici là où le grand-père arrive. Donc, à la différence de ma première vidéo où on voit, vous allez remarquer ici que dans la vidéo de la CRTV, ils ont supprimé, dans la vidéo qu'ils ont postée, ils ont supprimé le moment où le grand-père quitte cette espèce de tunnel ou couloir et marche devant la fleur. Ils ont supprimé tout. Ici, là, dans leur vidéo qu'ils ont posté, ça commence uniquement là où le père est ici. Et je pense qu'ils ont fait un bon... Ils ont... Bon, je ne peux pas espérer, c'est un bon travail. Ils ont essayé parce que quand, une fois qu'une vidéo est déjà dehors, pour vraiment faire des modifications, c'est très difficile. Donc, je pense qu'ils ont supprimé certaines des photos qui causaient problème. Mais même jusque-là, vous pouvez toujours remarquer que ici, la lumière coupe la tête du père. Je vais bien illustrer ça. Je vais mettre la couleur blanche ici. Bon, regardez bien la tête ici. Je vais avancer. Je rentre d'abord. Voilà, on va rentrer, on va examiner ça doucement. On a le temps. On n'a pas droit à l'erreur. Voilà comment la lumière coupe sa tête dans une image de haute définition et même de basse définition. Il y a beaucoup qui ont essayé de m'expliquer que quand on change de définition, ceci font cela. Non, quand on change de définition, les pixels sont pris, ils sont regroupés plus bas. Ils font des opérations de réduction. Si par exemple une image c'était 4 pixels et on veut la réunir en 1 pixel, on peut prendre les 4 et on additionne leur couleur, c'est-à-dire le rouge, le vert et le bleu. On additionne tout ça, chacun dans son canal, c'est-à-dire le canal rouge, on additionne tous les canaux rouges, les bleus et ceci, cela. Et on divise par 4, ça forme un pixel qu'on fait maintenant mettre dans la deuxième image. C'est ça la réduction d'image. Ça veut dire que une image ne va pas être créée pour décomposer quelque chose qui existe déjà. Un objet ne va pas venir devant un autre parce qu'on a changé de qualité d'image. Donc ceux qui racontent ça ne connaissent pas vraiment de quoi ils parlent, font de la fabulation. Donc là...
Là encore, on peut bien voir ici clairement qu'il y a quelque chose qui ne va pas avec la tête ici. C'est coupé. Regardez, regardez devant le poteau, regardez la discoloration ici entre ça, les bords. Regardez la couleur là, c'est pas uniforme. Regardez ici, tout ce travail, tout ça. Regardez ici, on ne distingue rien ici. Tout ça sont des attouchements. Ils ont travaillé pour former les pixels ici, pour essayer de faire un petit truc, mais ça marche pas. Regardez toujours la tête, focus sur la tête pour l'instant. Regardez, regardez comment c'est coupé là. Pour l'instant, il y a plusieurs éléments. Et quand vous regardez là, c'est pas d'hier ici. Regardez, il y a quelque chose d'autre ici. Si vous reconnaissez qui c'est ici, dites-moi qui c'est, mais est-ce que c'est vraiment lui ici? Regardez bien, il y a deux teintes ici. Il y a un nez, il y a une bouche bizarre. On dirait la bouche d'Atemengue. Et il y a une tête. Quelqu'un de teint noir, je ne sais pas. Je sais pas comment ils ont pu faire. Je ne sais pas ce qui se passe. Bon, on va seulement dire que c'est quelqu'un. Voilà. On continue. Là, ce sont des images de haute qualité. Des gens ont demandé des images de haute qualité. On est en train d'examiner des images de haute qualité. Venues de la CIA TV même. Donc là, ils ont coupé. Bon, on va encore rentrer parce que je vous ai dit de regarder la tête, mais il y a d'autres éléments. Voilà. Bon, regardez ici. Regardez la position, la veste. Regardez le pantalon. Le pantalon n'a pas déjà la même couleur que la veste. Sur la même image et le même corps, le pantalon et la veste doivent avoir la même couleur. Mais là, ils n'ont pas la même couleur. Bon, un autre truc que j'ai remarqué, c'était cet élément. Voilà, j'enlève la flèche là, je vais prendre une flèche un peu plus petite. Voilà, je prends la flèche là. Regardez le corps du président Biya. Ici, jusqu'ici. Est-ce que c'est pas assez gros pour savoir que c'est pas lui? Est-ce que ça a l'air d'une jupe? C'est comme si c'était quelqu'un avec une grosse jupe, mais c'est quand même terrible parce que on sait que quand on vieillit, on perd du poids, mais pour que son corps quitte d'ici à là, c'est quand même un peu terrible. Bon, évoluons. Ce sont des petits détails. Remarquez que la table est transparente, hein? Cette table est transparente. Donc normalement d'ici, on devait voir les pieds. Regardez qu'on ne va pas voir les pieds. On va voir peut-être. Oh, je rentre, je continue. Il n'y a pas de pieds qui apparaissent. Faites un focus. Il y a plus. Parce que ces images, si tu regardes un seul endroit, tu vas oublier les autres. Je ne peux pas voir tout à la fois. Mais même jusqu'aux lumières ici, cette lumière est supposée avoir un fond rouge, rougeâtre. Ici, là, c'est décoloré parce qu'il y a eu du travail de ce côté. Un peu plus de travail de ce côté que de ce côté. Ce sont des petits éléments à mettre en évidence. Regardez, il n'y a pas les pieds en bas ici. Normalement, on devrait voir sa chaussure ici. Pour quelqu'un qui a cette taille, son pied doit être quelque part ici. Et si on fait l'horizontale, les pieds devaient être quelque part ici. Mais on ne voit pas les pieds. Avançons. Bon, regardez la silhouette du président Biya. Il a du poids ici. Il est gros. On ne voit pas le reste du pied ici. Parce que le pied est normalement devant pour marcher, mais on ne voit pas de pied. Continuons. Voilà. Voici où apparaît le pied. Donc ici en bas de la table, on n'a pas vu le pied. Et là, du coup, soudain, ça apparaît. Bon, regardons. Tout ça, tous ces petits trucs que ces images devraient être claires. Et on va faire une étude, on va faire une étude comparative après. Tout ce truc, c'est en fait la superposition des images qui n'arrivent pas à recréer les pixels partout où il faut. Donc du coup, il y aura du vide. Donc, regardons bien. Regardez où la hanche du président Biya doit être quelque part ici. Et le genou est ici. Regardez comment il y a quelque chose qui ne va pas. Le genou est ici. Pourquoi le genou est aussi proche de la hanche que les pieds? Et les pieds sont ici.
Bon, regardez maintenant, est-ce que ça c'est une position naturelle? Comparez l'âge, comparez. Regardez le pantalon qui change de couleur ici et là. Il y a énormément d'éléments. Je vais agrandir ce truc. Ouais, je pense que ça c'est mieux. Voilà, regardez, le pied a maintenant maigri. Le pied devient petit. Vous allez voir des choses terribles. Hein? Regardez, le pantalon commence à maigrir. Un pied est gros, l'autre est petit. Continuons. Admettons que ce soit vrai. Regardez la position du pied. Un pied est comme ça et un pied est droit. Regardez. Regardez tout ce que le pantalon fait en quelques images. Regardez. Regardez. Ça, ce n'est pas une position naturelle. Et ça montre bien qu'il y a deux pantalons. Voilà le pantalon d'une personne et voilà le pied d'une autre personne. Donc regardez. Vous voyez, un pied est plus gros. Celui-ci est bien plus gros. Et l'autre est mince. Et regardez, voilà. Je vais prendre une capture ici. Voilà, c'est fait. Donc regardez bien, un pied est mince, l'autre est gros. On continue. Et ce qui sera terrible, c'est... Si vous remarquez des éléments, écrivez-les, notez-les, et puis je peux revenir après, mais... Regardez. Un pied mince, et celui-ci qui était gros, regardez, il était plus gros. Vous allez voir de la magie ici. Regardez aussi ce qui se passe avec cette table. Ça, c'est le bord marron de la table, mais on y voit à travers. Toujours dans la mauvaise reconstruction, regardez. Regardez le pantalon, un pied gros, un pied petit. Et ça continue. Regardez aussi le changement de couleur. Tout ça, c'est le travail qu'ils sont en train de faire. Regardez la forme du pied. Faites un focus sur le pied ici. Regardez. Et la reconstruction se montre aussi à partir d'ici. Voici la veste qui normalement doit continuer comme ça. On doit pouvoir voir ce trait. Ce n'est pas la magie. On doit pouvoir voir ce trait. Cette main doit être visible. Ils ont travaillé pour coller un pantalon. Ils ont travaillé pour coller un pantalon et faire ce qu'on appelle ici stitch, merge. Donc on continue. Regardez comment le pantalon rétrécit. Hein. C'est pas moi qui fabrique. Hein. Regardez comment le pantalon rétrécit. Regardez. Regardez comment le pantalon, pour quelqu'un qui est debout, il ne bouge pas. Regardez comment le pantalon maigrit. Regarde. Je vais rentrer. Voilà la vidéo. Voilà l'image de fin. Attendez, voilà l'image de fin de cette séquence. La position, les mains sont coupées. Et c'est regarder ce trait. Ça, ce sont des traits de travail après. Regardez les traits qui sont à côté là. C'est le travail après. Ça n'a pas épousé la forme. Ça n'a pas contrasté avec l'image réelle qui est derrière. C'est pour ça qu'on voit des gros traits noirs. Tout ça. Ce sont de gros traits noirs parce que ça ne contraste pas avec l'image qui est avec l'environnement. Regardez. Je vais rentrer encore. On va voir comment le pied s'y maigrit. Oh, le pied s'y va devenir gros. Regardez comment le pantalon devient gros. Vous voyez? Voilà le pantalon qui change de forme pour quelqu'un qui ne bouge pas. Regardez. Voilà deux pieds différents. Un pied montre qu'il est droit devant et l'autre montre qu'il est en train de bouger par un truc. Ça, ce n'est pas une position naturelle, surtout pour quelqu'un de son âge. Regardez le genou ici. Et on ne distingue pas ce que c'est ici en bas. Donc on continue. On continue. On focus. Comparer les deux pieds et la main qui a disparu. Ici, là qu'on a travaillé. On a travaillé ici. On a travaillé ici pour arranger le pantalon. On continue. Et le pantalon commence à rétrécir. Je ne sais pas s'il y a le vent là-bas pour faire que le pantalon bouge. Regardez. Ça, c'est la meilleure séquence. Parce que moi, ça m'a amusé. Donc, vous remarquez aussi ce trait noir là devant.
Si quelque chose noir ici devant, je crois que c'est le pied naturel de la personne qui remplaçait ça. Mais je ne peux pas confirmer, mais toujours est-il que la décoloration ici, s'il y avait une décoloration, ça devait, si c'était normal, ça devait être uniforme avec le haut, la veste et le pantalon. Donc, on va encore rentrer. J'aime bien voir ce pantalon grossir. C'est plus intéressant quand ça grossit et il n'est pas en train de bouger. Regardez. Regardez bien. Regardez. Voilà. Bon, on continue. Je crois qu'on va revenir sur cette séquence parce que c'est la séquence la plus conclusive. Bon, regardez la qualité de l'image ici, parce que c'est supposé être une image de haute qualité, HD. Et puis, tous ces traits qui apparaissent, pour ceux qui n'ont pas suivi avant, tous ces traits qui apparaissent, ce sont juste les traces ce sont des traces de travail en extra, parce qu'après, on va faire une étude comparative. Ça aussi, ça a été travaillé, mais à un moindre niveau, à un moindre degré. Vous allez par exemple voir, vous voyez comment la couleur n'est pas naturelle. Ces couleurs ne sont pas naturelles. Elles sont trop vives, trop chargées de rouge. Je n'ai aucune idée pourquoi ils ont choisi le rouge, mais ils peuvent faire nettement mieux. Si vous voulez, je les aide. Voilà l'arrivée de l'ambassadeur. Je vais vous faire remarquer une séquence ici. Il vient, il marche très naturellement, admettons. Ce sont toujours des vidéos travaillées, mais il pense qu'il fallait travailler, parce qu'on a travaillé l'autre ici, il fallait faire travailler celle-ci pour que c'est le même décor que l'autre. Donc du coup, regardez ce qui se passe aussi avec la tête ici. La tête est coupée par le derrière là. Bon, continuons. Et vous remarquez quoi? Que d'ici, de là où l'ambassadeur est, on va sauter directement ici. Quelles sont les preuves qu'ils ont soustrait des éléments pour ne pas nous faire voir certaines failles? Comme tout à l'heure, ils ont enlevé la partie où le grand-père quitte du couloir pour marcher vers vers la salle d'attente, le salon de réception. Ici, regardez. Attendez, il faut que je vous montre des numéros parce qu'il y a toujours les gens qui essaient d'être très plus intelligent que l'intelligence. Ça c'est 1492, on va aller à 1493 directement. Il a fait tout le parcours. C'est parce qu'on cache des éléments et des éléments qui devaient encore rendre plus probant que ce truc est faussé. Mais dans la vidéo que j'ai fait originellement, il y a cette séquence. Donc ils sont partis enlever et regardez comment la qualité de l'image devient super nulle. Ça, ce sont des images. Je vais vous montrer à quoi ressemble une image de haute qualité filmée par eux-mêmes tout à l'heure. Regardez, on ne reconnaît rien. Le tableau, ces trucs, le mur, on ne reconnaît rien, absolument rien. Les fleurs. Bref. Un bon bordel, quoi. Regardez. On reconnaît bien, mais. L'ambassadeur ne m'intéresse pas trop parce que qu'il ait été travaillé ou pas, bon, au moins on l'a vu après. Plus de 10 secondes. Ici, c'est billard. Continuons à focus sur billard, que ce soit sur ses épaules, la position, les pieds. Regardez bien. Je crois qu'ici, là, j'ai remarqué que la face va changer. Et une minute, je vais agrandir encore. Vaut mieux, ouais. Voilà. Il fait des gestes qui ne sont pas normaux, qui ne sont pas, qui se répètent. Il se répète, avait dit qu'il n'y a pas. Même quand on suit la vidéo avec l'audio, il se répète, il fait le même geste deux fois. Ça veut dire qu'il n'y a pas de coordination avec celui qu'il reçoit. Donc. Regardez l'image ici, je ne suis pas sûr que ce soit bien ici, à ce niveau.
Je parle du teint ici, le changement de teint. Il y a aussi la position. Pour quelqu'un de 87 ans, adopter une position comme ça où il se penche d'un côté n'est plus vraiment naturel. Mais admettons, on peut dire que c'est un super homme, il s'est penché, il a réussi à se pencher. Et quel était le besoin de se pencher pour lui? J'ai aucune idée. Et là, on le voit entièrement reprendre une position. C'est surtout à ce niveau, de l'autre côté de la face. La face ne ressemble pas à celle de Monsieur Bia. On le connaît tous. Je vais vous laisser faire vos jugements. Mais dans cette motion, moi, je vois apparaître une face différente. Sauf s'ils ont trop travaillé, mais je vois la face d'une autre. Je vois, par exemple, ici, là, c'est très noir. Le nez peut être celui de Bia, que ça a bien reconstruit, mais ici, c'est très noir. C'est bizarre. Et c'est supposé être une vidéo de haute qualité, je vous rappelle. Donc, là, on continue. Et je vais juste vous rappeler que de la même manière dont je décompose ces vidéos pour faire des photos, de la même manière on peut prendre des photos, on les retouche et on recompose une vidéo. En fait, ça le c'est. En fait, un c'est l'ingénierie pour l'un c'est la décomposition et l'autre c'est la composition pour faire une vidéo. Donc, c'est le même processus à l'envers l'un de l'autre. Donc, continuons. Et il refait encore le même geste. Regardez les pieds ici. Attendez. Regardez où apparaît le genou maintenant. Regardez. Je vais rentrer. Dans cette position, on aurait supposé que le genou soit quelque part ici ou ici. Mais on va continuer. Regardez comment le pantalon ici ne bouge. Regardez comment ici ne bouge pas. Quand on sait tout ce qu'on baisse le genou, le pantalon bouge. Regardez. Regardez où apparaît le genou ici. Regardez comment le pantalon devient gros. C'était le même pantalon qui était mince tout à l'heure. Regardez, un, deux, regardez la position du pied là. Regardez comment ça vient ici, petit, gros, et là le genou apparaît ici. On distingue à peine ce pied de chaussure. Regardez. Regardez, ça devient gros. Go. Et lui-même, il va vouloir s'asseoir. Bon, j'ai regardé l'ambassadeur s'asseoir puisque je vois une position naturelle pour s'asseoir. Lui aussi, on va regarder. C'est Bia qui nous intéresse. De temps en temps, on regarde l'ambassadeur pour voir aussi s'il fait les bonnes choses, quoi. Regardez le pantalon. Ce sont les habits, les éléments à regarder, la face. Le corps, et vous devez vous rappeler que c'est une position naturelle. Regardez ici comment cet endroit est tracé. C'est-à-dire que ce sont des pixels qu'on a fabriqués. Fabriquer les pixels, c'est aller sur JPEG, cliquer sur éditeur et prendre les points noirs et commencer à coller pour reformer une image. Monsieur Bia n'a pas le muscle pour qu'on voit un semblant de muscle ici. Donc regardez. Le pantalon devient gros, tout et tout. Regardez les doigts, ça a été fabriqué. Il va s'asseoir. Regardez le pantalon. Regardez, entre l'image là. Parce qu'ils ont fait une erreur ici. Le vide là. Ce vide là n'est pas normal. Parce que ça veut dire qu'un pied, ça veut dire que si c'est ce vide, c'est que c'est la chaise. Ça veut dire qu'un pied est ici. Très mince comme ça et l'autre c'est ce gros truc. Donc on va continuer. Regardez le côté ci, ce que le pantalon va faire. 2, 3, ça s'ouvre. Regardez, c'est quoi ça? Si on vous demande ce que c'est ici pour un pied qui vient ici comme ça là et ça devient géant ici, c'est quoi ça?
Regardez, ça devient petit, ça devient gros, ça part un peu normalement ici. Regardez, ça bouge. Ça bouge, ça va comme ça, va aller dans cette direction. Ça continue. Et ça commence à devenir mince. Il y a toujours ce bordel ici. Ça continue. Ça continue. Et là, ça commence à retrouver une forme un peu normale. Regardez-moi tout ce bordel ici. Vous-même, vous voyez, quand vous regardez la coloration, si vous savez que les gars ont travaillé ici, ce n'est pas magique. Vous voyez ici là une couleur un peu normale qui ressemble à ça, mais ici là vous allez voir beaucoup d'énergie ici dans une décoloration différente. Ce n'est pas magique. Regardez-moi cette position. C'est quoi ça? C'est pour une image de haute qualité. On va comparer une image de haute qualité faite par eux-mêmes. Et puis là, il s'assoit, il fait bouger le pied. Regardez le pantalon qui était super gros. Regardez la veste, c'est quoi ici? Les bords. Regardez le pied ici. Regardez la grosseur du pied ici. Si on vous demande ce que c'est ici, et gros ici en bas, vous allez dire que c'est quoi final, à la fin. Regardez. Alors, le pied de Monsieur Bia. Regardez. Est-ce que vous remarquez maintenant la décoloration? Quand on va vers l'ambassadeur, vous voyez, il y a beaucoup de décoloration ici, les pixels qui ont raté. Mais regardez, comparé du côté de l'ambassadeur. Parce que, en fait, l'image a été superimposée à l'image où l'ambassadeur est. Donc, regardez. Eux-mêmes font le focus, ils font le changement, on ne reconnaît pas ce que c'est ici. C'est la personne qui peut me dire ce que c'est ici là. Qu'ils nous disent à nous tous. Non, regardez, tout a disparu, c'est tout. C'est supposé être une image de haute définition. La personne qui vient va nous dire, va nous apprendre ce que c'est une image de haute définition. Ça vient de la CATV. Et curieusement, cette image vise à nous faire quoi? À nous faire savoir que c'est vraiment l'ambassadeur. Sinon, ça ne servait à rien de faire un focus sur l'ambassadeur. Et quand on a fait le focus sur lui, il regarde. Pourquoi un ambassadeur regarderait, au lieu de regarder son hôte, il regarde plutôt le journaliste qui est là seulement pour faire son travail. Regardez, l'image devient un peu normale, l'image devient normale parce qu'il n'y avait pas beaucoup de travail à faire ici. Un minimum, regardez, l'image s'améliore. Disons que cette image est quand même clean. Mais maintenant, on va continuer. On continue. Et quand on va aller vers Monsieur Bia, l'image commence à aller à se dégrader. Regardez ce que ça devient l'image. Voilà les images qu'on nous sert pour nous gouverner. Voilà. Voilà le focus sur Bia et. Regardez tout là, tout est derrière, là, tout est décomposé. Regardez là. C'est bien bizarre cette tête. Bizarre, bizarre. Regardez, voilà, j'ai failli oublier. C'était la position de la main. Regardez, la main, si elle est quand même, admettons, un peu dans une position normale, mais regardez cette main qui ressort, qui rentre, qui est petite. Est-ce que c'est une position naturelle ici, cette main? Regardez bien là. Portez votre veste, vous réussissez à vous mettre dans cette position et puis vous venez me dire. Là, c'est pas une position naturelle et on remarque aussi qu'il n'a presque pas changé de tout à l'heure. C'est-à-dire, en deux images, il ne bouge pas, il est identique. Merci.
Regardez. Regardez bien. Et je vous rappelle que dans les images précédentes, on voyait bien le derrière. Je dis dans les images de mon premier direct, on voyait bien les images se placer devant la tête. Ils ont enlevé ces éléments. Mais je pense qu'il y a certains endroits où j'ai noté, par exemple ici où le derrière passe devant la veste. La veste est supposée être à ce niveau, descend là, ça devrait être ici. Mais voilà le derrière qui cache toujours sa veste. La main n'a pas changé de position. Ça, ce n'est plus une position naturelle. Sauf si tu as un handicap. On connaît pas monsieur B avec un handicap à la main, avec des pantalons qui augmentent ou qui baissent de taille, dans la même position. Continuons. Regardez. Si on peut appeler ça une image, c'est vraiment ça une image. On voit comment ses mains quittent. Donc ici là vous voyez qu'il y a, il y a une image ici, mais il y a une deuxième image ici. Et il y a une veste, l'autre côté de la veste dont je parlais là, c'était ici. Et c'était ça ici. Et ce qui est ici là, c'est une autre chose. C'est pour ça qu'il y a une décoloration, mauvaise construction. Donc on continue. Et c'est là où, pendant qu'il bouge cette main, l'ancienne image est identique à là où c'était avant. Et regardez. Regardez. Le pantalon ici est redevenu un peu normal. Regardez cet endroit qui devient le truc derrière là décolore la face. Ce n'est pas une image, c'est qu'on ne vous trompe pas. Il n'y a aucun moyen, à part une manipulation, il n'y a aucun moyen pour que quelqu'un objet soit qui est derrière se retrouve devant ou bien altère ce qui est devant. Aucune, sauf si il y a eu une mauvaise reconstruction et puis certains pixels de ce qui était derrière se sont retrouvés en train de cacher ceux qui étaient les pixels de l'image qui était devant. Et c'est ce qui s'est passé. Vous vous demanderez bien pourquoi on a besoin de modifier l'image là où le président apparaît. Parce que ce sont les seules images qui sont modifiées. Vous avez fait toute l'expérience. Hein? Je n'invente rien. Et c'est tout. Voilà quand l'ambassadeur sort. Et puis l'image est un peu amochée, mais pas très amochée. Vous allez bien remarquer que là, c'est vrai que cette image a l'air un tout petit peu travaillée. Bon, peut-être. Ou bien de mauvais zoom, mais toujours est-il que devant chaque objet, quand il passe devant chaque objet, aucun objet n'est devant lui. On voit bien une différence entre lui et ce qui est derrière. Et ça va s'éclairer. Vous allez voir à quoi ressemble sur la même vidéo. Une image de haute qualité. Regardez bien. Et voilà. Voilà la qualité normale d'une image de haute qualité. Disons. Parce que c'est abordable, il peut avoir mieux, mais disons que une image ne devrait pas avoir autant de trucs, autant de modifications. Donc on peut revenir sur cette vidéo après, juste à titre illustratif. Je vais télécharger maintenant la visite de ce même ambassadeur le 11 mars. On va regarder la qualité d'image. Parce qu'il est important de faire ce travail. Donc, je vais aller plus haut. Je vais mettre un.
Donc ça, c'était l'image du 17 avril sur laquelle on a travaillé. Et non, qu'est-ce que j'ai foutu? Ok. Et ça, voilà, ça c'est le site de Paul Biya. Elle a visité, il y a son audience avec Monsieur Guillaume. On peut revenir sur cette vidéo après, mais c'est celle-ci qui m'intéresse. Voilà, je vais prendre le truc. C'est bien, il faut qu'on vérifie bien. Et voilà où le président apparaît avec ce monsieur Guillou. Et ils s'asseyent ensemble. Et puis, vous voyez déjà la qualité de l'image. On va décomposer celle-ci aussi. Bon, je vais télécharger ça rapidement. On va prendre la meilleure qualité. On va prendre la meilleure qualité. Ils mettent ici Best, numéro 22. Ok, donc je vais télécharger ça rapidement. Ok, tant que ça télécharge, je change avec la musique. Il y en a marre dessus. Ok, ça finit de télécharger. Je vais changer le directoire ici. Je vais là, 11 mars. Voilà, c'est la même vidéo. On va essayer de regarder. Il rencontre le président. Bien, voilà une image naturelle. Pas de modification de lumière, rien n'est modifié. Regardez bien, c'est clair, tout est clean. On va aussi décomposer. Ce qu'on va faire, on va décomposer cette image.
Même lieu, tout est naturel, tout est clair. Okay, on avance. Vous regardez seulement ici pour vous assurer que je suis en train d'avancer de photo en photo. Et puis, voici l'arrivée de l'ambassadeur. On le présente à Monsieur Biya. Le miroir, c'est le même lieu que tout à l'heure. Hein? Vous voyez comment tout est clair? La vidéo est en haute, sous haute définition, tout est clair, il n'y a pas la tête de quelqu'un qui va à gauche, à droite. Le miroir est clair, on arrive à distinguer tous les carreaux. Bref, comme si on y était. Attendez, j'agrandis ça. On n'a pas coupé, il n'y a pas. On ne coupe pas d'image. Attendez. Voilà, on ne coupe pas d'image. Mais voilà qui marche tranquillement. La caméra le suit. Il part rencontrer le président Biya. On n'a pas coupé d'image, on ne l'a pas vu sauter d'un endroit, apparaître à l'autre. Il se tend de la main. Position naturelle. Le pantalon est normal. Voilà, voilà la taille de Biya qu'on la connaît. On voit bien les traits de sa veste ici. C'est toujours un peu flou, disons pour moi qui est trop.
Le pantalon rétrécit, ça devient gros. Après, ça rétrécit. Voilà la même image d'où l'ambassadeur venait tout à l'heure. Quand même ce que je vais faire. Attendez, je vais faire un petit truc. Voilà. Je vais mettre ça là. Je prends ça. Je mets ça à moitié. Voilà. Est-ce que c'est sa taille normale ici? Donc tout est un peu, tout est vraiment en l'air avec ce truc-ci. Attendez, je mets une autre.
toute une musique. Vous voyez? Donc, je vais ouvrir l'ancienne vidéo que j'ai utilisée en premier. Voici l'image que j'avais utilisée la première fois. On va la regarder rapidement. C'était une image de mauvaise qualité que j'ai trouvée sur le net. Et puis je l'ai prise et j'ai commencé le travail par là. On admet ça. Une image peut être mauvaise, oui, mais une image ne peut pas avoir un objet pour lequel on sait qu'il est derrière l'autre, mais il apparaît devant. Ce n'est pas une image qui a perdu sa qualité. Ce n'est pas une image qui a perdu sa qualité à cause des partages sur Internet ou bien la réduction. C'est une image qui a été modifiée. Regardez, voilà là où le. Voici, je vais vous montrer la scène qui a été enlevée sur la vidéo qui est postée maintenant sur les liens partout. Celle-ci, là où il quitte de là pour marcher. Regardez la fleur. Regardez, il est entré dans le truc. Il est rentré. On va regarder. Il est tout juste. Regardez, on le voit passer, il va passer, il va bien passer, regardez, il passe. On le voit, voilà la scène qui a été enlevée. Voilà la scène qui a été enlevée quand il passe devant le miroir, là où le monsieur Bia marche. Regardez ici, il est passé derrière le truc. Voilà, on va regarder, on va encore regarder la construction là. Et la raison pour laquelle on fait un focus sur l'ambassadeur, comme vous avez vu, c'est juste pour montrer, c'est pour faire croire aux gens que vous avez vu, c'est vraiment l'ambassadeur, c'est tout. Donc, ouais, voici là où ce monsieur vient ouvrir la porte et regardez. Voilà où on voit. Je vais ouvrir, attendez une minute. Voilà, les petits sardinards croient qu'ils peuvent avoir raison de ce direct, mais on va le finir et puis on passe à autre chose. Ça c'est la vidéo de petite résolution, on va juste la regarder rapidement pour s'assurer qu'il y a les mêmes éléments dont on parlait la dernière fois et puis... On peut regarder à partir d'ici. Hein.
regarder. On essaie de regarder celle-ci. Voilà. Donc, la vidéo est définitivement de très petite, de mauvaise qualité. On ne vous apprend rien. Je pense que quand je rends ça plus grand, ça va rendre les choses encore plus, plus difficiles à observer. Donc, on va se battre avec. Si vous avez, si... Bref, je vais un peu agrandir. Ok, on va regarder celle-ci. Voilà, ça commence à 2767. On va, oh, ça va rendre ça petit. C'était en fait ça le problème que j'avais la dernière fois avec. On peut essayer, allons peu. Bon, quand on a grandi, on arrive. Je ne sais pas si vous avez, vous pouvez venir là-bas voir très bien. Bon, je vais aller à la vidéo originale. C'est que la partie qui a été supprimée, on voit bien Monsieur Bia arriver de ce couloir. Et c'est ici qu'on a fait nos observations que, regardez bien la tête, ça disparaît derrière le... Ça disparaît là. Ça disparaît, ça réapparaît. Ça disparaît. Voilà, ma tête a complètement disparu ici. Ce n'est pas les bêtises que j'écoute les enfants raconter dans les commentaires, que quand on télécharge à gauche à droite, ça peut fabriquer les pixels. Depuis que tu télécharges tes photos à gauche à droite, ça a coupé ta tête à quel
une dernière image à titre illustratif. Voici là où je dis que dans la vidéo, dans l'une des vidéos, on a vu Monsieur Biya marcher du couloir jusqu'ici. Ici, là, ils ont enlevé ces éléments parce qu'il y avait des éléments qui permettaient de savoir que cette vidéo est modifiée. Mais ils ne peuvent pas tout enlever parce qu'ils sont, désormais coincés. Il faut bien montrer Biya et à une vitesse normale, pas une vitesse où on le voit apparaître et disparaître. Donc, si dans une vidéo qui fait 24 frames la seconde, bien 30 frames la seconde, tu en tu soustrais 6, l'œil humain ne va pas percevoir. Donc, c'est sur ça, c'est ce sur quoi il joue. Mais si tu commences à enlever beaucoup, l'œil humain va percevoir. Et c'est en fait parce que c'est rapide, la vidéo se tourne rapidement que l'œil humain ne permet pas de voir toutes ces imperfections. Donc, voilà ça. Voilà. Ah, le même pantalon qui prend des formes difformes. Et ma partie la plus intéressante, quand le pantalon devient petit. Alors quand le pantalon devient petit. Et la ligne, et cette ligne. Voilà, l'ambassadeur qui vient. Je crois que je vais arrêter l'enseigne. Bon, je vais juste mettre là. Voici l'image normale. Voici ce qu'on devrait voir d'une rencontre de Monsieur Biya avec l'ambassadeur. Couleur naturelle, tout est naturel, ça ne laisse aucun doute. Et puis on avance. Tout ce qu'ils sont partis faire à gauche, à droite, si c'est du mensonge, c'est la conspiration. Et je pense que je vais conclure sur le fait que jusqu'à présent, il y a 4 images différentes produites par la CRTV ou la présidence qui témoignent qu'il y a beaucoup de modifications qui sont jouées. Jusqu'ici, on a vu 3. On a vu ces 3 éléments que j'ai montré. Regardez. Il quitte ici. Et il apparaît là. Et l'image devient un bon bordel. Et c'est comme ça qu'on nous gouverne. C'est à l'image de notre gouvernance. Donc là, je vais arrêter ceci. Je vais vous faire voir un dernier élément. Un dernier élément, c'est directement sur YouTube. Donc chacun d'entre vous peut aller regarder ça. Et que sur la page Paul Biassi, il reçoit, il y a son audience, mais aussi sur le site de la CRTV, il y a aussi une image qui est différente. Ce qui se passe, c'est que quand cette image commence, regardez bien, je vais élargir celle-ci. Ça c'est pour l'image de la CRTV. Qu'est-ce qui se passe? De nouvelles attitudes. Vous regardez comment l'image est pleine. Regardez bien comment l'image est pleine avec dans la plus grande cordialité. Ça remplit tous les bords. C'est bien les la bords. Preuve ici, que le quand il arrive, il y a au-delà des. Nous avons eu. Ça, c'est une image. Un allègement de 230 milliards de francs CFA pour l'économie. Vous voyez comment c'est plein. Dans la lutte contre la pandémie du Covid-19 au Cameroun. C'est une image qui est. C'est un montage différent ici. Efforts pour venir en aide aux Camerounais, notamment pour tous les problèmes d'alimentation, parce qu'il va y avoir des répercussions sur l'économie et sur l'éducation. À marge des questions d'ordre économique. Donc, ça, c'était le 16 avril. On va maintenant regarder l'image à la présidence de la République. C'est 2 images différentes et il y a des modifications. Je vais aussi élargir celle-ci. Vous allez voir la différence. Vous
Voilà, ici là c'est, vous remarquez bien, tous les bords sont pleins, il n'y a pas de souci jusque là. Voilà ce qui se passe, c'est que quand, ici là sur l'image aussi, c'est une autre résolution qui a été utilisée. Ça veut dire que ça c'est un montage différent de tout ce qu'on a rencontré tout à l'heure, tout ce qu'on a vu tout à l'heure. Regardez le cadrage ici. Regardez. Et regardez comment ça revient à la vitale, au montage normal. C'est uniquement là où Monsieur Biya est. Donc tu sens, c'est bien une scène ajoutée. Allez, on va regarder. Regardez bien. Voilà l'ambassadeur qui arrive. L'image est normale. On va regarder. Et directement, il y aura un changement de cadrage. Voilà le changement de cadrage. Là où M. Biya est, on utilise un... Ça, c'est un montage différent. Voilà. On peut stopper là et on peut avancer. Et puis, dès qu'il finit avec M. Biya, le cadrage redevient normal. Voilà, on va encore regarder celui-ci, celui-là, c'était ce qu'on vient de regarder, c'était pour pas le site de la présidence. Il y a un cadrage différent, et ça c'est maintenant par la CRTV même. Et vous allez voir le qu'il n'y a pas de problème de cadrage ici. Dans le fait quatre vidéos différentes pour un même événement. Par les autorités gouvernementales et sanitaires. Précédé par le ministre directeur du cabinet civil de la présidence de la République, Samuel Vondel. Son Excellence Guilou est introduit auprès du chef de l'État par le chef du protocole d'État, Simon-Pierre Bikile. Regardez bien. L'audience que le président Biya accorde ce 16 avril 2020. Le cadrage est normal. Français participe de l'exercice quotidien du magistère que le peuple souverain lui a renouvelé le 7 octobre 2018. Il y a un peu des problèmes de connexion parce que c'est le Cameroun. Seulement, intervenant dans un contexte de crise sanitaire sans précédent, cette crise va naturellement imposer de nouvelles attitudes dans le strict. Regardez, le cadrage est normal. Les mesures barrières édictées par les autorités. Une fois qu'on arrive là où M. Biya est, précédé par le ministre directeur du cabinet civil, le cadrage va rester le même tout à l'heure. Voilà le cadrage. Son Excellence Guilou est introduit auprès du chef de l'État par le chef du protocole d'État, Simon-Pierre Bikile. Donc, depuis quelques jours. Donc depuis quelques jours, ils se battent à nous produire quelque chose qui n'existe pas. Et c'est pour ça que vous allez voir, vous voyez déjà, on est à 4 versions, 4 montages différents qui se retrouvent là d'ailleurs. Bon, je pense que on a visité tous les sujets que j'avais. On a fait le numéro 1, le numéro 2, analyse comparative, et puis on a associé tous ces éléments avec toutes les différentes versions. Je pense que ça sera tout pour ce soir. Je vous laisse faire les analyses, ceux qui sont capables de faire les analyses font les analyses, ceux qui sont cons doivent exprimer leur intelligence naturelle. Bon, merci.